es verdad que yo quiero verte, pero sin verte siento la suerte de no querer incluso la muerte, aunque es lo mismo si yo te... Ok, it's time to choose what I'm gonna wear. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait la meuf TikTokuse. En fait, j'ai vu un TikTok, enfin non, je crois que c'était Instagram, je sais pas, c'était Anna Hervé. On s'en fout, je me suis pris pour qui. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai fait ma valise, j'ai préparé mes tenues en avance. Ce qui fait qu'en gros, j'ai mis mon t-shirt, puis j'ai enroulé le bas, tu vois. Donc j'ai juste à prendre tout, des sous-vêtements, et go, un maillot de bain, un truc, tu vois. So I know what I'm gonna wear. Et là, il fait chaud. Qui dit chaud? T-shirt. On est ok? Je sais toujours pas quoi mettre. Genre, je m'étais dit, c'est trop simple. Tu te prends pas la tête, tu prends tes affaires et tout. Je suis pas meuf. Mais là, même là, je sais pas. Ok, j'ai le choix entre beige, kaki ou noir. En vrai, comme ça, c'est stylé. Ok. Donc, ça avec un haut noir, parfait. Maintenant, il faut choisir le maillot. Théoriquement, là, moi, je vais aller me baigner. En fait, je veux grave y aller en t-shirt et tout. You know, déjà, il faut que je vous raconte. Genre, dans la rue à Toulouse, il y a pas... Y a des gens qui regardent mal, mais tranquille, tu vois. Là, je sais pas pourquoi, mais toutes les personnes que j'ai croisées, genre tous les gars que j'ai croisés, ils m'ont trop mal regardé. Et, alors, et en fait, c'est pas si... J'ai trop... Je l'ai interprété comme un mode... Ouais, ils m'ont trop mal regardé. Mais penera, no soy muy interesante, la verdad. Ils m'ont... Et genre, je sais pas quantifier, mais c'était un sentiment de malaise. Donc, go pas me faire remarquer. Parce que j'aime pas que les gens ils me regardent. Si je passe en mode tranquille, ça devrait aller. Alors. En vrai. Un haut noir. Un maillot de bain noir. Classique. Je ne sais pas que j'ai oublié le bain. Oh non, non, c'est bon. Ça devrait aller. C'est bon, parfait. Après, je mettrai ce vêtement. Allez, on y va. En algún lugar esconderte. En la mente puedo encontrarte. Del mapa no podré yo quitarte. Ni que te... Ok, bienvenue dans les aventures de Ellie. Ça fait grave bizarre de dire Ellie. Mais je sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez. Je me suis posée là-bas avec ma soeur. Et là, je vais chercher Angela. Le truc, c'est qu'Angela, elle est là-bas. Et que moi, je suis là. Attendez, faut vous... Juste regardez l'eau, c'est trop beau. Oh, il est où le pont? Attends, mais je repasse par là. Ok, ok. C'est trop beau. Je vous jure, c'est trop beau. Ah, soyez reconnaissants de la vie. Je vous promets, soyez reconnaissants de la vie. Ah, Angela, muchas gracias a todos. Ah, je sais pas qui je dois remercier, mais la personne ok. C'est que... Oh, parfois. Ah, 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 ah. Oh, putain, ça fait trop mal, je m'éclatais le pied. Oh. Ah, ah, j'ai rien dit. Si, soyez reconnaissants à la vie, mais faites gaffe aux pieds. Putain, mes pieds. Vivo lo que vivo y a veces no llego ahí. Para acostumbrarte. A veces. Un truc tout à l'heure en marchant, je me suis. Oh, éclaté les pieds. Attendez, il faut que je vous montre. Bon, les fétichistes là, on va avoir des pieds gratuits. La prochaine fois, je ferai des trucs payants. Oh, il y a mon père qui va. Lo bueno y lo malo. Vayas a alejarte. Ok. Attends. 1, 2 et 3. Voilà. Regardez, c'est joli. Il y a le poisson. Oh, il y a un poisson. En que eres sabe que a veces vamos sin freno. Y puede chocarte. Es que tú tienes un arte. Es que tú tienes un arte. Vous savez quoi? C'est quoi l'inconvénient de venir dans un pays où il parle espagnol? C'est que je peux pas parler. Parce que tout le monde entend ce que je dis. Alors que quand je suis en France. Et ben je peux faire ce que je veux.
se promenait sur les remparts et là on était, vous voyez, il y a toujours des, comment c'est dit, des trucs en mode de, tu sais, les boîtes aussi là, il y a plein de petites boutiques et j'ai acheté un sac et un haut et je vous montrerai ça bientôt. Et quoi, il y a un truc hyper différent ici en France, c'est qu'il y a des parquets, mais genre partout où tu vas avoir des parcs. Et genre c'est trop beau, genre il nous manque grave ça et tout en France. Voilà. Okay. On est en train de faire des courses et j'ai retrouvé un truc. Ça là, ça j'ai mangé quand j'étais toute petite en Colombie, c'était mon déjeuner et il y en a nulle part à part dans les pays hispaniques. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Racontez-moi, bref, je vous demanderai vos rêves, notamment moi-même. Vous envoyez un message pour vous demander vos rêves. Bref, qu'est-ce que je vais dire? On se retrouve dans la salle de meufs. J'ai l'impression de faire les vidéos des meufs pour la France. Alors aujourd'hui, au programme, je crois qu'on a. On va aller dans une autre colloque, genre à 20 minutes ici. Faut qu'on se prépare. Normalement, on mange là-bas. On visite aussi dans un truc. Le village, genre, c'est un village comme des. Casitas Blancas. Et je crois que c'est tout. Hein. Et non, et après aussi, on va se baigner et on va visiter un autre truc. De l'époque de la médiévalité, je sais plus comment on dit. Voilà, je suis fatiguée. Il est actuellement 8h du matin. Génial. Bon, à tout à l'heure. C'est tarpin chaud, j'ai jamais aussi chaud de ma vie. C'est hallucinant. Bon, c'est joli, c'est beau. Mais il fait chaud. Genre, il y a un peu de vent, mais genre, ça suffit pas. Je sais pas quelle température il fait. Bref. Oh, la église là. Il y a l'église juste là. Oh. Oh putain, j'ai vu un truc grave drôle. Genre, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tienda ou en gros une boutique où en gros ils vendent des trucs et tout, des souvenirs. Et là, il y avait une plaque que tu pouvais accrocher. Et en gros, c'est la plaque que tu pouvais genre accrocher. Il y a marqué You're not look. Il y avait marqué un truc genre You're not Google, but like you have everything I'm looking for. Je trouve ça trop drôle. À deux doigts de l'acheter et de la mettre bah, sur ma propre porte. Personne à on va voir si on la paille. Ah, mais ça, tu ressembles à ça? Ah, mais je comprends. Même les poissons, ils viennent pas me voir, ça doit faire trop peur. Bref, on dirait au bâton. Là aussi, ça fait peur. On va où? Alors là, on va aller sur une petite clé que moi je vous dis. Comment tu le dis en espagnol? Je sais pas. Oui. Là. C'est bien! Voilà, moi je suis espagnole de base. Oui, du coup, décolonisée. J'ai décidé que, en fait, on va à la plage et on va plonger. Bon, elle ne va pas plonger. Si, moi, je vais essayer. Mais attendez-vous que je vous explique le bail. En gros, t'as un énorme plongeoir. Il est en fer. Déjà, t'as une serviette pour pas. Angela a dit, c'est parce attention, qu'elle a déjà. Attention, on va se faire Angela a dit que c'est parce qu'il y a des algues. Moi, je pense que c'est juste pour pas déraper, tu vois, pour pas glisser. Bah oui, parce qu'il y a des algues et donc les algues ça fait glisser. Ouais. Donc tu as raison de pas. Ouais. Bref. Et sauf que à cet endroit-là, pour y aller, bah forcément, il y a que les gars. Non, genre, forcément, il y a aussi des. Non, il y en a une seule. Elle est petite, elle doit avoir 12 ans. Ouais, mais elle a 12 ans, voilà. Et moi. Elle a pas pris son short. Non, mais c'est pas, c'est pas une question de prendre le short ou pas. C'est une question que je vais y aller. Elle se sent oppressée. Oui, je me sens que ça va être horrible. Donc, voilà, mais je vous tiens au courant si je plonge. Moi, I want to be. Voilà. Moi, j'ai dit. Pero, est-ce que. Elle m'a dit qu'elle avait dit hier.
Pero es que hay sanitarios públicos si quieres. Moi et toi aussi. Hein. Bref. Je vais voir, je pense, mais je pense pas y aller. Voilà, c'est tout. On va direction la plage. Alors, vraiment. En vrai, s'il y a moyen, je vais prendre en vidéo quand tu feras ton plongeon. Bah, tu sens que tu n'es pas plongé, donc j'ai ton plat plutôt. Non, là, je ne plonge pas. Oui. Moi, je vais sauter. Salut le bon. Hey, la poste, ils ont les mêmes couleurs que nous. Genre, c'est yellow et azul. Pas yellow, oui, c'est ça. Non, là, tout à l'heure, c'était jaune et noir. Ah, ouais? Ouais. Bref, bon. On vous tient au courant. Bisous. Ok, on vous parlait de ça là. Mais là, lui, il me fait trop peur. Il me fait trop peur parce que ça fait. Et ça doit faire 10 minutes, il est là-bas, on dirait que c'est sa maison. Ouais. Bref, voilà. Ah, et bienvenue à mon canal. J'arrête de dire cette phrase. Alors. Là, on est à Barcelone. Ça fait longtemps que j'y étais pas allée. Bref, c'est une de mes villes préférées. C'est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là on est sur le parc igual. Et después, vamos a la Sagrada Familia. Y es ya. Y es todo, pienso. Quand il fait archi chaud, je pense que je vais mourir. Mais quand j'y pense, il faudra qu'on y aille ensemble pour un jour. De toute façon, logiquement, si vamos de vacaciones por acá. Toda en el mar, podemos ir a Barcelona, no es tan lejos que eso. Pues, besitos. Guess what? Ça fait même pas 5 minutes que je suis arrivée. Ils sont partis sans moi. Génial! Bref, c'est pas grave. Je vais faire le tour toute seule et puis. C'est pas comme si j'avais l'habitude. Bref, il fait tartin chaud. Hein. En fait, genre, ce qui est chiant dans les villes, c'est que genre, l'air il passe très peu. Et en gros, je sais pas, ça fait un air bizarre. Je suis arrivée. Genre, vous avez forcément vu cette photo sur internet. Oh putain, il fait parfait, je trouve ça hallucinant. Il y a. Je sais pas si vous voyez. Mais et, attendez, je vais vous montrer. Aquí. Estaba hablando de todo eso. Et la reine. Bref, tout ça. Et là, t'as les murailles bizarres. Là c'est en haut, tout en haut, alors là il y a une maison en bas, là où après, enfin juste après tout, il y a du monde, de quoi on va faire une crise d'angoisse. Oh c'est tout petit. Ah on va en bas maintenant. Non. I'm jealous of Barcelona, cause it's getting to know it. Tiens, un bubble shop. J'en ai acheté un. Ah, mais il y a de l'eau qui tombe partout ici. Je voulais une story time. Une story time. En gros, un jour, je me suis assise dans. Genre sur Toulouse, sur la Grande Allée. J'avais chaud. Dites-vous qu'à quelqu'un il a vidé son sou sur ma tête en plein milieu de Toulouse. Voilà, story time. All the clubbing must be clouding your head. The city is holding you. Je viens de finir la visite. Putain, je glow. Je pas glow là, je brille. Vraiment, je suis capable de d'allumer une ville en pleine darkness. Juste avec mon visage. C'est pas parce que je brille de beauté, hein. C'est parce que je brille de transpiration. Bref. On a fini. C'était cool. That should be mine. Got you spilling the secrets at home. I'm jealous of Barcelona, cause it's getting to know you all. Crying in Cali alone.
printemps, j'ai rien filmé. Je crois que j'ai arrêté de filmer après Barcelone. Et voilà, vous allez me tuer. Mais je vous promets, on reviendra ensemble. C'est grave, même si comme ça, vous verrez que vous vous proposez. Anyways. Oh, j'ai fini les vacances. J'ai envie de... Je sais pas, je suis fatiguée, je me suis levée trop tôt. Je me suis couchée trop tard. Et mon aventure avec les sangliers fut éprouvante. Vraiment. Donc là, je suis vraiment fatiguée. Je crois que... On va visiter, puis après on va reprendre la route pour aller vers chez moi. Demain je dois reprendre le train pour aller à Toulouse. D'ailleurs faut que je prenne mon train. Bref, voilà, bon. Putain, j'ai pris avec une voiture. Un soir, on se voit en septembre. Ah, les cheveux. J'ai. On se voit en septembre et voilà. Besitos, nos vemos. While I'm crying in Cali alone.